retournons en Belgique pour une nouvelle épreuve sur le circuit de Spa-Francorchamps où se déroule le Grand Prix de Belgique. J'aime pas ce circuit. Enfin, les bâtards, ils font toujours de la merde dessus. Salut, Petit. Merci Jacques pour FM5. Quoi, pour les vidéos, tu veux dire? Tiens, c'est marrant, ta police est mis en majuscule. Pseudo qui change tout seul. Salut Fred Gigi. Bah, je sais pas, moi, le Spa-Francorchamps, au final, je trouve qu'il est assez quelconque, hein. Je trouve limite le Tsukuba plus technique au final. À part la grosse montée à un moment où effectivement si tu veux pouvoir la passer à fond faut savoir la gérer. Je l'ai pas trouvé d'une difficulté extrême quoi. Bon, après c'est que mon avis hein mais. Bon après en même temps dans le jeu il y a Drivatar qui pourrissent un peu le bordel mais. C'est moi ou le mec, ça. C'est sur chante, changer de couleur là. Ah, mais. Freine pour rien. C'est chiant. Hein. Ah mais si vous, vous le dites si vous voulez passer la marche arrière les mecs hein. Bon, jusque là j'ai tapé personne. Il y a du progrès. Il y a un petit peu de progrès. Hop. Allez. Bouge ta caisse. Hop. Hop 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 hop. Putain de Drivatar de merde. Tourne quoi. Putain. Ah. Mandela est de retour. Allez. Ah mais c'est... J'ai l'impression d'être sur une ligne droite, vous voyez, la bonne ligne droite en pleine campagne et tout, et devant vous, il y a un vieux. Le vieux qui roule à 10 km/h en dessous de la limitation de vitesse, vous voyez. Vous voyez ce vieux. On s'est tous tapé un jour, ce vieux. Et bien évidemment, il y a plein de virages, où il y a des voitures qui arrivent en face, et vous pouvez pas le doubler. Et vous êtes bien aigle. Donc du coup, vous êtes obligé de vous taper ce vieux que vous avez envie de lui rentrer dans le pare-choc, le mettre dans le décor, aller récupérer son corps, et lui foutre des grosses tartes dans sa gueule. C'est un peu l'impression que j'ai des fois que c'est Drivatar, quoi. Ah bah, première vitesse, c'est peut-être un peu bas, quand même. Oula, si je freine, c'est pas plus mal. Ça va me prendre à saisir le chat. J'ai l'impression que l'image n'est pas forcément super fluide là sur le live, non? Toi tu dégages, et là moi la route.
Oups. Un petit peu vite. Cette voiture d'une tonne 5 qui veut rien dire. Ils ont pas laissé que le minibar dans la bagnole, hein. Ils ont laissé aussi le pare-soleil avec, hein. Le pare-soleil, le siège à 16... Et... La chaise longue. Voilà, j'ai réussi à le dire. J'ai eu du mal, j'ai réussi. Je demande des applaudissements pour ceci. Ouais. Un coup tu tournes, un coup tu dérapes. Oh. Faut choisir, soit t'es une brique, soit tu dérapes. Faut choisir. J'aurais peut-être pas dû mettre au final l'amélioration des pneus à l'arrière. C'est pour ça qu'elle a du mal à tourner au final, elle accroche trop. Ça paraît très bizarre, mais ça peut peut-être jouer. Ah, et merde. Oh, quand tu veux, tu décroches. Allô ? Ouais, je vais devoir aller faire un tour vite fait, faire les taxis, et les pitis est toujours là, par contre on est passé de 12 à 5 personnes, ça fait plaisir. On est reparti. Il est quelle heure, 18h10, peut-être retirer le volet, clac. Épreuve suivante. Ouh, Muscle Car, un moderne. Ah, dommage. Ah, après, c'est Muscle Car, les vieux. Oh, on remarque même les modernes, c'est plutôt sympa. Si vous avez essayé la motley collection d'American Muscle Cars des 1980s et 90s dans l'autre groupe, fast but flawed cars developed to put a shine on otherwise forgettable models, you'll know by now that sometimes more power isn't always enough. The latest breed of muscle car proves, however, that thankfully, it usually is. The 2007 Shelby GT500 produces exactly 500 brake horsepower and drives better than a car costing less than $50,000 has any right to. Remarkably, the Mustang has rivals, and two of them are here. The Chevy Camaro ZL1 with its 580 brake horsepower V8 and the Dodge Challenger SRT8 392 with its throwback cubic inches badge. In modern money, that's 6.4 litres. Drive them. Drive them all and take comfort in the knowledge that there are people out there, besides Clarkson, who will never believe you can have enough power. Je pense que sur cette catégorie, on va pouvoir faire un Mumus, mais bien comme il faut. Putain, c'est toujours la catégorie B. Oh, ça t'est dommage. C'est dommage. Ça n'a pas de les pousser un peu plus. Une Jean 600, la GT500. Quoique 2007, elle est en C. Alors, en C495, je peux quasiment rien faire dessus. C500.
469. Ah, une sorte 8, c'est pas être marrant. HSV GTS. Je connais pas, c'est australien ça? Ah, c'est une Pontiac GTO en gros, ça, oui, c'est. Oui. Et ben, va pour la Challenger SRT8. Voiture. Acheter voiture. Trier. Constructeur. Dodge. Touch. En DLC, ça, tu fous de ma gueule, elle était d'office dans Horizon. Ah, j'ai une chargeur et pas la Challenger, d'accord. Aussi, j'étais la chargeur qu'on avait dans Horizon, je crois. Oh, je sais plus. Et SRT8. Viens ici, ma cocotte. Et ce doit à cause d'un pari sur TF2. Bah, dit le japonais, t'es peut-être un peu con ce pari, mais je sais pas, je trouve ça marrant, moi, c'est comme pseudo, quoi. Jack, voudrais-tu sur Forza 6 plus de bagnoles, plus de circuits. Pas besoin de beaucoup plus. Les gros sur lesquels, ouais. Il y a Mustang Boss 302 2013. Fais gaffe, elle est grosse, ma grosse, vraiment. Ouais, ouais, bah, je sais, mais bon. Là, au moins, je suis prévenu, quoi. Ça, je le sais qu'elle est. Elle est fat. Ouais, bon, il n'y a rien d'original. Est-ce que je peux me bouger la vue, s'il vous plaît? Non. Bon, ok, merci. Peut-être en blanc avec blanc. Blanche avec bande bleue. C'est quand même classe, ça. Ou rouge avec des bandes noires. Ça aussi, c'est classe. Rouge avec bande noire. Ah, orange, ça rend pas mal aussi, mais on va prendre du rouge. Ça va être deux bagnoles rouges de suite que je prends. Ah, fuck it, j'aime bien le rouge, et puis c'est tout. Une brique de plus, ouais. Ouais, mais voici, c'est de la bonne brique, ça. Challenger SRT8 392 de 2012. Voiture. Amélioration. Alors, pour commencer, tu me vires le minibar, hein, comme d'habitude. Viens voir. 1,5 kg, et à la base, on a 1800. Ah, qu'en faisant ça, on fait péter le score, quoi. Est-ce que je change les pneus? Ils m'ont l'air pas mal, les pneus. Les pneus de base m'ont l'air pas dégueu. Ah, on est quand même avec des gommes de merde. Ah, puis je peux pas beaucoup augmenter, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup en adhérence. J'aime autant augmenter la largeur des pneus arrière. Pour dire deux. Ouais, puis après, je peux plus rien mettre, quoi. Je suis déjà à la limite de passer en 600, quoi. Enfin, catégorie A. Tapé. Comme Tanner dans Driver Jaune. Ah, oui, oui, d'accord. Dans Driver, ouais, je vois, d'accord. Le jeu, ouais. Il en avait une jaune, ouais. Non, ça c'est un fast-food entier. D'accord. Référence à la flaque, ça envoyait du pâté, d'accord. Ok. Bah, allons-y, on peut pas faire grand-chose de plus. On va espérer que ça passe. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Nous revenons sur le Mazda Raceway Laguna Seca en Californie. Célèbre pour son virage en tire-bouchon à la courbe 8, l'une des plus dangereuses au monde. Pourquoi ils disent virage en tire-bouchon? Tire-bouchon, ça aurait été en rond, quoi.
Bon, je suis d'accord que le virage est à plus de 90 degrés. Ok. J'ai réussi à sortir du sable, non. Le sable. Bon, je suis dernier. J'ai de façon de commencer une course, quoi. J'ai que 3 tours, quoi, en plus. Hein. Il va falloir quand même que je bouge le cul. Première, peut-être pas quand même. Allez. Il y avait une peinture sympa, je crois, sur le côté, j'ai vu. Oh. Ah, j'ai un peu bizarre quand même. Putain, ça tombe mal. Au moins là, si ça tourne pas dans le virage, j'ai juste à donner un petit coup d'accélérateur et ça tourne. Un peu trop, mais ça tourne. Wouh! Ça dérape un peu. Mip mip. Comment j'ai fait l'extérieur? Waouh, comment j'ai dosé! Donc c'est un peu moins fort en sortie de virage, hein. C'est... Wouh. Quand ça accélère, ça fait pas semblant, hein. Ah, mais freinez pas aussi fort, quand même, les mecs. Oh. Le but, c'est d'avancer, hein. Oups. J'aurais dit que ça passait, mais en fait non. Ah là, celle-là, elle tourne. Ouais, tant pis, je tourne n'importe comment. Bon, moi maintenant, je suis tranquille. Ouais, j'ai battu Sniper machin chose. Oups. Ouais, j'ai battu Swagmaster. Il n'avait pas assez de swag face à moi. Ouais, ça tourne pas. Pourquoi ça n'a pas tourné? Je ne sais pas. Mip mip. Putain, le logo Dodge, il est carrément allumé, quoi. Merde, j'ai pas vu que ça freinait, bordel, je fais de la merde. Ah, oh, c'est pas vrai, quoi. Bon, je me concentre. Oh,
Moi ça tourne. Pas pour les bonnes raisons, mais ça tourne. Tu sens un dérapage, celui-là. Ouais, tout un dérapage. Non, c'est raccroché, il fait chier. Non. Pourquoi t'as raccroché? Virage parfait. Tu te fous de ma gueule, j'ai fait de la merde totale. Je ne comprends pas des fois comment fonctionne ce jeu. Bon, c'était pas trop mal pour une première. Pour une première avec cette voiture-là. Jacques, si tu regardes Top Gear, tu préfères la version anglaise ou ça? Anglaise! Oh, y'a pas photo! Salut Killer Seb! Et après, il y a les muscle car vieilles. Tu as une idée de ce que tu vas prendre comme voiture? Bah, je verrai bien, hein, par rapport à ce que j'ai de disponible. Et aussi par rapport à la marge de progression que je peux y mettre. Parce que comme d'habitude, ça sert à rien de prendre une bagnole dans laquelle tu peux mettre quasiment aucune amélioration. Elles sont clairement moins puissantes, après comparé. Track day, wouhou! C'est quand même vachement une perte de temps, quand même, ces trucs-là. Combien de 18 bagnoles en un tour? Ça aura le faire, il y a quand même pas mal de lignes droites. Ah putain, mais qu'est-ce que tu fais que t'as 308 de merde? Easy. Elle manque quand même un peu de patate. Ça mériterait peut-être un petit turbo, un petit compresseur. Nique ta maman. Mip, mip. Je conduis comme un porc. Miaou. Ah, c'était presque beau si j'étais pas dans la merde en fait. Si en fait j'ai pas juste rien attrapé une extrémiste avec juste un gros coup de bol quoi. Hein? Quoi? Extrémiste, extrémiste. Non, ça va falloir arrêter, Youplay. Youplay, va falloir penser à la fermer de temps en temps. Ouais, c'est bon, j'ai fait le score cible. Coucou. Vous imaginez la place du mec dans la bagnole? Y'a un mec qui arrive à fond la caisse en drift et tout, et puis il vous fait coucou. Wow. J'ai vu l'intérieur du truc, c'était cool. J'ai eu le temps d'oublier une 22ème quoi. Merci Killseb.
Si encore une fois, n'hésitez pas dans votre coin à vous lancer votre petite playlist personnelle, hein, puisqu'il n'y a pas de musique. Et que j'ai pas envie de mettre de la musique de mon côté pour éviter de me faire chier avec YouTube. Et à lancer un débat éventuellement si vous avez un sujet de conversation. Plus tu peux l'améliorer, mieux c'est, ouais. Nous retournons aujourd'hui dans l'état de Géorgie pour une nouvelle course à Road Atlanta. C'est ton meilleur Atlanta, on l'avait pas trop vu dans les premières, quoi. On enchaîne directement avec une Saturday Event. Ah, mais oui, ça va, ça, oui. Je comprends pas ce que tu veux dire, Kilseb. Hein. Faut développer un peu plus quand tu reviens sur un sujet. Pourquoi je suis dans le virage, carrément? Ah, d'accord, je suis super loin. Laissez passer. Putain, mais y a trop de voitures, là. Ah, c'est long en plus. Wow. Ça va être une horreur là du coup. J'avais pété vu que j'ai pété ma direction. Ah non, c'est bon, ça va. La direction a rien. Wow, par contre les freins ils ont pris cher. Wow. Ça va être horrible en fait, si. Le freinage va être juste horrible. La fin de cette ligne droite va être juste être horrible. Quand je freine, ça part sur la droite. Et pas qu'un peu. Ouh, freine. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Bah, ça va pas être gagné, hein. 3 tours en plus. Coucou. Le mec est sniffé le pare-choc, mais une violence. Ah, le mec a mis une peinture de police, pourquoi pas. Drift gentil, toujours plaisir. La la la. Virage parfait. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois quand je dérape dans un virage, il me met virage parfait? Il y a un truc qui va pas avec ce jeu des fois. Arrête de partir sur la droite. Hop. Ouais, passer de première à seconde comme ça, c'était pas très malin. Virage parfait encore une fois. Pff, pourquoi on sait pas. Tranquille. Merde, je suis en première encore une fois, que je suis fou moi.
peut-être que je fasse gaffe à ce que je fais. Ah, j'ai pas vu le mec passer de la vitesse. Ah, mais remarque, c'est peut-être des palettes au volant, là. Sur celle-là. Ah, c'est vrai que j'ai pas mis vue intérieure depuis un moment, moi. Ah, le boulet. J'ai complètement oublié de mettre les vues intérieures. Bah, pour la prochaine course, je mettrai une vue intérieure. Ouah, putain. Je vous jure, quand je freine, c'est horrible. Non! Ah, nique ta mère! J'ai failli faire un tour parfait, enfin plus ou moins parfait. Twitch ne marche pas sur ma One. J'utilise pas l'option Twitch de Xbox One, hein, pour info. Il faut pas que j'oublie nous de mettre la vue intérieure. Une ville célèbre pour son architecture magnifique et imposante. Arzipop, t'as vu, c'est si la famille. Cette architecture est pas dégueulasse. C'est une course poursuite. Pourquoi il y a un casque, le mec? Il est directement devant moi, le premier à dépasser, quoi. Donc ça va être fort rapide là, lui. Hop là, salut, à plus. Ah bah il y avait juste lui à dépasser, d'accord. Pourquoi pas. Bah, c'est pas vraiment moi qui aurais mis 3 mecs à dépasser, quoi. Mip mip. Comme le plastique rentre pas bien sur le jeu. Ils ont un gros travail à faire au niveau de la texture des plastiques. Wop! Coucou! De toute façon, je m'en fous de cette course. Ce que je vais faire, c'est la finir au plus vite en m'amusant un peu si possible. Wouhou! Ça tangue un peu. Cette puissance prend 3ème, en seconde. Ouais, non, oui, peut-être, non. Ah, j'ai pas vu qu'il y ait des machins Top Gear là sur le machin bleu. C'est mignon. Miaou, oh oh. Je voulais ça plus large.
Lui, il est en plein milieu, quoi. Hein ? Hé, papy, là ! Putain, mais laisse-moi passer ! Ah, il a pas trop voulu déraper. Wouh ! Oh ! Putain, comme il me ferme la porte, les enculés ! Laissez passer ! Je sais bien que klaxonne, je sais. Ah mais peut-être 19h, allez je finis celui-là et puis j'arrêterai. Tant pis. Enfin je finis cette série. Ça reste quoi, 4 courses? Allez, je m'en fous. Pff, le temps que tu perds sur ces écrans là, c'est ouf quoi. Allez, je m'en fous. Ouais, il reste 4 courses. Ça, comme ça, je finis pas avant 19h, comme ça, je suis sûr de pas avoir à faire une coupure à l'arrache. Parce que. Faudrait que j'aille manger. Tu veux, tu charges, voilà, merci. Est-ce que je reviens après? Je sais pas du tout. Je vais pas m'avancer parce que j'en sais absolument rien. Je répondrai plutôt par la négative quand même, parce que bon... D'ailleurs c'est déjà pas mal quoi. Je vais plutôt faire un truc tranquille ce soir, parce que j'étais quand même assez fatigué ce matin. Après il est très bien possible que quand même je refasse du live. On va dire que c'est possible, mais il y a peu de chance. Ah putain, putain. Concentration maximale. Je trouve ce circuit-là vachement plus intéressant que le Spa-Francorchamps. Ça arrête pas de mettre de vous balancer les virages dans la gueule, mais comme il faut. Faut pas trop faire le mariole non plus. Côté de ça, en plus, on vous met des grandes lignes droites pour bien vous déstabiliser après par rapport à tous les virages. Encore une fois, c'est mon avis. Hein.
quand même pas. Prendre le virage en première, c'est peut-être pas nécessaire. Putain, dommage. C'est quand même con de finir juste après celle-là, vu qu'après il reste plus qu'une série pour finir la catégorie. Et en plus c'est des vieilles américaines, c'est cool. Mais bon, quand même 19h. Je pense pas qu'on mangera tôt chez moi, dans le doute. Tuer tout le monde. Non. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Jack, tu prévois tes lives ou c'est au pif? Au pif! Je peux même pas prévoir une heure à l'avance parce que je peux très bien, dans ce laps de temps, avoir quelqu'un qui me fasse chier et que je puisse pas faire de live ou filmer ou bien que d'un seul coup je suis crevé comme pas possible. Ça, c'est aussi arrivé. Il faut des coups de barre en plein live, même déjà. Allez, je m'en fous, j'ai vu que j'avais passé niveau 25. Oh. Putain, c'est chiant ça. Mettons le cap sur la piste d'essai de Top Gear, conçue par Lotus pour pousser les voitures au maximum. Oula. Oula, oula. Ça promet encore. Ça c'est pro, bah. C'est justement, je suis pas pro. J'aurais été professionnel, payé pour les vidéos et tout. Là, j'aurais pu te faire un planning, y a pas de souci. J'aurais fait ce que je ferais pu pour le tenir, mais je l'aurais fait. Sauf que je ne suis pas pro. Au mieux, chaque mois, je gagne de quoi me payer 3 McDo. Et encore, non, même pas 2. Ce qui est déjà pas mal, hein, mais... insuffisant pour que ce soit intéressant de faire gaffe à tout ça, quoi. Ah, ils ont changé la disposition des keys. Ah, merde. J'essaie de mettre la voiture en crabe, mais ça n'a pas voulu. Putain, ils ont foutu les kills n'importe où. Ils s'enfoirent.
Ah bah c'est bon, j'ai le score Steve, je vais pas me prendre la tête. Un peu empêté pour le LOL, mais c'est tout. Oups. Je le voyais un peu plus large le virage. Et voilà, fini. Tu devais pas arrêter ? Arrêter quoi ? Les japonais, c'est pas une question d'avoir du talent ou pas pour être rémunéré, c'est une question d'invisibilité. Hein. Mais comme je dis ici, je suis plus ou moins rémunéré sur YouTube. J'ai un network, machin et tout, mais vraiment. Quand je gagne quoi me faire deux McDo, avoir une heure à un ordre de prix, il était bon McDo quand même, hein, mais deux McDo. Bah, je suis content. C'est pas mal. Nous retournons dans le Wisconsin pour une nouvelle course sur le circuit de Road America, dont le tracé n'a pas changé depuis plus de 50 ans. Ça va. Non, sur les lives, je suis pas payé du tout. Non, par contre, pour passer partenaire sur Twitch, il te faut un de ces scores de taré. Il faut genre que tu aies en moins, en permanence, 200 personnes pendant au moins un mois pour dire qu'ils se daignent regarder un peu ce que tu fais. Et pareil, pour avoir pour passer partenaire Twitch, il faut avoir un paquet de viewers. Hein. C'est clairement pas à la portée de tout le monde. Je crois quand même Tatsunao qui a genre dans les bientôt 5000 peut-être followers. Sur Twitch, il y a environ 100 de viewers réguliers et pas partenaires. Donc c'est pour leur idée, regarde mes stats. Hein. J'en suis très loin. Très très loin. Mais bon, il faut faire du live tous les jours, machin, et c'est pas possible, surtout pas actuellement. Pour moi, c'est absolument pas possible. Ouh là là, ça freine pas, j'ai oublié de virer rétrogradé. J'ai oublié de rétrograder, mais d'une de ses forces. J'ai abusé. Wap, hop, 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 hop. Fait de la merde. Intéressant, les jantes oranges. Wow, ma caisse, ça fait de la merde. Il y a suspension, on fait un truc chelou. Elles ont genre rebondi, mais c'est trop bizarre. Ma caisse s'est enfoncée d'un côté et a rebondi de l'autre. Du coup, elle est partie en lat total. Hop, hop, hop. Et merde. Putain. Merde. Oh, fais chier. Pas réussi à rattraper. Avec partenaire, je crois qu'il est seul, tu peux mettre en payant. Oui, mais c'est plus en un don en fait que tu fais dans un sens, enfin en fonction de ce que tu fais. Puisqu'en fait, à partir de ce moment-là, tu peux mettre que les gens qui passeront dans le chat ne seront que des gens qui ont payé pour, qui ont payé les 5$. Je trouve ça un peu dégueulasse dans un sens, même si quand t'as beaucoup de monde, ça peut être pratique, mais je sais pas. Au pire, mets des pancartes, chaîne Twitch active, venez me voir. J'ai besoin de vous, please. N'importe quoi. J'en suis pas encore au stade de la prostitution, s'il te plaît, War. Non, pas War, c'est Begaz, je suis con. Merde, et puis du coup, je regarde pas ce que je fais. Oh.
C'est pour ça qu'il faut pas que je regarde le chat en même temps que je joue. Dès que je fais ça, je fais de la merde. Ah là, là, ça passe. Et non, comme de toute façon, je peux pas me permettre d'être, d'être actif. À... Ouh putain, c'était pas mal comme virage. D'être actif à... vraiment à don sur Twitch, ça valait pas le coup de faire un truc comme ça. Quoi. Non, puis après, je suis comment? Je suis réaliste, je suis pas comment? Ouais, y a plus de pont, c'est ce qu'il me semblait. Il était par là le pont avant. Ce que je fais sur YouTube et Twitch, c'est sympa, c'est certes sympathique et tout, il y a une qualité quand même un minimum derrière, mais je suis parfaitement réaliste et je sais très bien que tout le monde peut le faire, quoi. Et que tout le monde le fait, justement. C'est pour ça aussi que je sors pas forcément du lot et que j'ai pas des milliards d'abonnés. Après, je me dis parfois qu'il faudrait peut-être que j'essaye de mettre vraiment à fond dedans, que vraiment pendant genre au moins 3-4 mois, histoire de voir, de vraiment pas arrêter, enfin, sans non plus être vraiment à donf. Avoir un truc correct vraiment pendant quelques temps. Mais je me dis qu'en même temps, c'est pas forcément très réaliste et c'est pas ça qui va me rapporter des thunes, quoi. Surtout qu'en ce moment, maintenant que j'ai une copine, bah, il me faut de l'argent, quoi. Je peux plus me permettre de consacrer un temps absolument considérable pour tout ce qui est vidéo et compagnie. Hein. Parce que j'ai toujours consacré beaucoup trop de temps à ça. Parce que maintenant je peux me permettre correctement, quoi. Enfin, correctement. J'ai d'autres choses en tête, quoi. Allez, on va rigoler. Non, pas assez de puissance pour le drift dans ce virage. Je m'en doutais, mais bon, quand même. Je vais tenter. Ah, ça y est, ça passe. Puis remarque, je suis en train d'y penser, mais genre sortir des vidéos tous les jours sur YouTube et compagnie, ça je l'avais déjà fait. Hein. Quand j'ai fait du Borderlands 2, bon, il m'est arrivé de faire quelques pauses, mais pendant au moins genre 2 mois minimum, j'arrêtais pas de sortir des vidéos à intervalles réguliers. Puis certes, la chaîne retournait bien, mais c'était pas non plus énormissime au niveau des vues et compagnie. Pourtant, Borderlands 2, j'avais un gros public au début. Hein. Mais bon, c'est la vie. Il y en a pour qui ça marche très fort, d'autres pour d'autres, non, voilà, c'est comme ça. Non, juste faire le rhum, là. Moi je le fais pour m'acheter un PC gaming et une Xbox One, mais j'y arrive pas car les temps sont durs même pour les prostituées. Après maintenant c'est dur d'être connu avec toutes les personnes qui se lancent, mais après essayer de te lancer à fond, c'est dur à tenir. Ouais voilà. Tu dis pas, hey, c'est la poule aux œufs d'or de YouTube, t'as qu'à voir maintenant, dès que tu crées une chaîne YouTube, t'es automatiquement abonné à Monsieur Pewd. Ouais, sûr que... Tu vas remettre les lives en rediff sur la chaîne YouTube? Ouais, comme d'habitude. Ça coûte cher en temps pour les filles. Pff, qu'est-ce que tu sors ça, toi? Non, mais je me demande bien son succès. Bah, de toute façon, c'est simple, PewDiePie est là depuis quasiment le début de YouTube. Mais quand je dis quasiment le début, c'est vraiment le début, quoi, quand YouTube a commencé très fort. Et il fait de l'anglais. Donc en anglais, tu ramènes du public d'absolument tous les pays. Il n'y a pas de souci, il y a toujours au moins un minimum un millier de personnes dans chaque pays qui va regarder des vidéos étrangères. Quand je
marche minimum, c'est vraiment le minimum du minimum, là. Et il est sympa. Je sais pas, quand je regarde PewDiePie jouer, je vois qu'il se prend pas la tête, quoi, c'est... Ça fait plaisir. Après, à côté de ça, si c'est difficile de se faire connaître en ce moment, c'est aussi, n'oubliez pas, parce que tous les gros youtubeurs vous demandent des pouces verts et compagnie. Et pourquoi ils se demandent ça? C'est parce qu'ils veulent que leurs vidéos soient mises en avant. Seulement, ils ont plus besoin de ça. Donc c'est pour ça aussi que ça aide pas, quoi. J'ai bon de taper des... Je sais pas combien de pouces verts je me suis tapé sur Forza Horizon. Ça met en avant ma vidéo sur Forza Horizon, mais par exemple, si vous pour Minecraft, bonne chance, quoi. Donc, oubliez pas, avant de mettre vos pouces verts, de... Est-ce que ça vaut le coup ou pas d'en mettre un, dans un sens, hein. Parce que certes, dire j'aime la vidéo, tu peux aussi le faire en commentaire, ça, hein. Après, j'ai dit ça, j'adore par exemple Fanta et Bob et compagnie, hein, c'est juste que j'ai bon les aimer, ça n'empêche pas de dire qu'ils n'ont pas besoin de pouces verts. Hein. Certes, ça leur permet de continuer à leur train de vie actuel, mais faut pas déconner quoi. Ils ont absolument plus besoin de pouces verts. Hein. Ceux qu'ils ont sans en demander sont largement suffisants pour que leur chaîne marche au rythme habituel. Hein. Mais ce qui me gêne en fait le plus avec Fanta et Bob au niveau des pouces verts, c'est qu'avant ils demandaient pas. Avant ils demandaient pas, et depuis que ça marche vraiment très fort, mais à mort, ils en demandent. C'est quoi la logique? C'est pas maintenant qu'il faut les demander, c'était avant. Putain. Eh merde. Et la suspension aussi qui a pris un coup, allez, parti. Hop les. Je passe comme un porc, je m'en fous. Je sais, je parle plus trop, je suis assez concentré parce que je voudrais bien me faire le mec qui est devant. Mais il trace. Et moi je fais de la merde là. Donc ça va être dur de le rattraper. Surtout qu'en plus j'ai mes freins et ma suspension qui déconne. J'ai bien qui tire sur la gauche quand je freine. Ça va pas m'aider ça. Ouais, merde. Plus j'ai le micro qui est devant le compteur de vitesse. Putain, il est proche de moi lui. Putain, comme la bagnole elle plonge en avant. Je sais que les muscle cars sont assez connus pour avoir des suspensions un peu molles, mais quand même. Oula, j'ai fait un peu un sous-régime là, c'est... Oups.
Non, j'arrivais pas à avoir le mec en face. Tant pis. Quoi que j'ai pas mal attrapé là. Mais bon, à mon avis, dans la ligne droite, il va me gratter, mais d'une force. Ouais, voilà. Il me laisse sur place. Alors, qu'est-ce que ça dit sur le chat? Putain, mais le chat il déconne. En 2008, c'est tout en plus. Il a Marzia qui a aussi une chaîne. Ah oui, sa copine. Perso, je suis abonné à personne et aucun pouce vert. Bon, ça c'est fait. Il peut ne pas se prendre la tête. Il a 12 millions d'euros sur son compte en banque. Rire. Ouais. C'est sûr que là, à ce moment-là, t'as abri du besoin. Je suis pas sûr quand même de cette affirmation. 16 000 euros à 2 pour Fanta et Bob, ouais. Après, ça c'est une fourchette, hein. Ils peuvent très bien gagner beaucoup moins, comme ils peuvent gagner beaucoup plus, hein. En fonction de du trafic qu'ils ont sur leur chaîne. Ouais, mais il fait des dons à Charity Water, tu vois, et Killu qui fait des lives, et il fait pas autant de gains. Ouais, enfin... Après, c'est cool que PewDiePie, en plus, ouais, voilà, ce qui est cool, c'est en plus que tout son pognon, il en reverse quand même pas mal. Hein. Après, IQ, voilà quoi. Moi, j'aime pas trop ce mec, donc bon. Ouais, ouais, les deux se font dans le canard PC que j'ai, qui est fini par ma copine et que je n'ai toujours pas lu. Ils disent clairement qu'ils gagnent 16 000, en gros. Ah oui, avec l'heure de chaîne, ouais. Maintenant, percer sur YouTube, c'est impossible à part si tu as un concept hyper novateur. Oui, ou qu'on te fasse de la méga pub. Je veux dire, c'est genre demain, par exemple, genre un Diablo X9 ou un Fanta, ou des Fanta et Bob sur leur chaîne, mais font une vidéo avec moi, puis ils font « Ouais, ce mec, il est cool, allez voir sa chaîne. » Tu peux être sûr que dans l'instant, j'ai 10 000 abonnés de plus, quoi. Bah, forcément, regarde. Ah, j'ai fini l'épreuve. Oh, bah, c'est cool. Pas forcément, regarde, Azendark Productions. Ils ont pas le concept novateur. Et je les ai connus à 300-400 abonnés. Ils en ont 40 000 maintenant. Bah, ils font quoi? Parce que pareil, il y a rien qu'à regarder. Regardez Hypierre. Hypierre marchait pas mal. Il a fait La Cité des Sables. Donc, il y avait plein de monde et tout. Donc, tout le monde a vu les pseudos, tout le monde. Donc, tout le monde s'est dit, tiens, on va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe. Déjà ça l'a bien aidé. Ensuite il y a pas mal de gens qui ont parlé de lui. Et puis donc au final maintenant il a je sais plus combien d'abonnés. Le succès ça tient un peu de choses hein. C'est 10% de talent pour 90% de chance hein. Vraiment. Bon, il est 19h10. Ça me fait chier de pas faire la dernière catégorie. Mais bon, tant pis. Du Minecraft, bah Minecraft ça reste quand même ça marche quand même très fort hein. T'as beau dire ce que tu veux, au final tu pars quand même sur un public d'au moins 1 million de personnes hein, quasiment. Tu peux toucher au moins 1 million de personnes. Que par exemple Forza 5, Forza Horizon, j'ai eu un énorme. J'ai eu quand même pas mal de succès, mais j'ai eu un énorme coup de bol que des gens soient intéressés par le jeu. Bref. Pendant un temps, il décolle pas et d'un coup c'est parti. Ouais, mais après, bon. Ça tient vraiment un peu de choses d'avoir du succès sur YouTube. Hein. Vous vous rendez même pas compte à quel point. Enfin, bref. Donc, moi je vais vous laisser et puis je sais pas si je refais un coup de live dans la soirée ou pas. En attendant, je vous dis à tous, mangez les pommes, portez-vous bien. Et à plus.